Salut tout le monde, c'est Genzo et on se retrouve pour le cinquième épisode et sûrement le dernier d'Internet Coffee Simulator 2. Alors aujourd'hui, nous allons voir hein, justement dans l'épisode 4.5 hein, que j'ai nommé, l'épisode précédent du coup, qui ne sera ni le 4 ni le 5. Donc j'ai mis un mix entre les deux, parce que bon, comme je vous ai expliqué déjà dans l'épisode précédent, j'ai un petit souci d'enregistrement de Let's Play. Donc là, on va continuer la suite. Hein, je vous avais dit, hein, le dernier épisode, ça sera justement le mining du Bitcoin ou de l'Ethereum. Je sais pas trop ce qu'on va miner. Donc là, on va voir ensemble justement tout ça. J'ai gardé justement mes petits sous-sous. Donc je pense qu'on refera. On ira voir combien coûtent les rigs, les cartes graphiques, etc. Les Bitcoin miners aussi. Donc on va aller acheter tout ça. On va mettre tout ça en place dans notre boutique. On va tout mettre en place et du coup on va. Alors attendez, hop. J'ai oublié de faire ça. Hop, tac. Allez, c'est parti. Donc du coup on va se spécialiser dans le mining, dans le minage. Donc on va faire ça. Donc je pense que ça va être une vidéo assez courte. Voilà, ça va être un petit let's play, hein, juste vraiment pour voir comment nous rapporte. On fera une journée ou deux dessus. Voir si c'est rentable de miner et puis alors attendez du coup hop parce que je sais que la sensibilité ça se remet toujours de base donc je vais le mettre comme ça là et hop là c'est parti tac 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 allez sur ce. Donc bon, on avait un cybercafé extraordinairement rentable. Et ça, c'est une dinguerie. Très beau. Et j'ai pas refait justement les ajustements que j'avais dit dans les précédents épisodes. J'avais dit que je rajouterais plus de déco, etc. Mais au final, non. Sort pas grand chose vu que ça va être le dernier épisode que je ferai là actuellement, je pense, sur ce jeu. Parce qu'on a pratiquement tout vu. Hein. La seule chose qui me reste à faire, c'est le mining. Donc voilà, bon, c'est bien dommage que tout ça je voulais pas pu le montrer dans l'épisode 4. Ça a pas record justement le let's play, donc c'est bien dommage. Je me sens un peu roulé quand même, hein. Donc voilà, un petit côté console ici. Donc on a à peu près tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder juste combien j'ai. J'ai 11 000, d'accord. On a 11 000, il me semblait que j'avais largement plus. Mais d'accord, d'accord. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut acheter pour 11 000. Hein. Hop. Donc soit je fais une dernière ouverture session. On va voir dès quelle heure il est déjà dans le jeu. Et puis ah non mince, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas d'électricité. J'ai pas mis d'électricité du coup. Bah non, bah vous savez quoi, on va l'acheter directement. Et puis on va rester fermé. Ah regardez si le café était ouvert. Non, le café n'est pas ouvert, madame. Nous sommes fermés. Donc il me semble c'est juste ici. Si j'ai pas de bêtises. Hop, ouais, c'est là. Donc on va avoir une charmante demoiselle et on va lui acheter ceci. Allez, on va l'acheter toutes les cartes graphiques. Voilà. Voilà, moi je t'achète tout ma gueule, je t'achète tout. Alors attendez, hop, hop. On va faire ça, hop, hop. C'est pas très cher, hein, quand même. J'aurais dû faire ça depuis le début. Franchement, je pensais que c'était plus cher que ça, mais... Au final, c'est pas cher. Donc ça, est-ce que je peux le jeter? Ouais, on va le jeter. Et je vais pas en avoir spécialement besoin. Bon, bah on a tout acheté, donc on va, allez, on va essayer de développer ça. Ensuite, on ira se coucher justement pour que, elle remet à jour ses stocks. Comme ça, on sera full. On sera full et on sera là déjà actuellement, juste dans mon cybercafé actuel, là comme ça dans l'état où il se trouve. Et je rapporte au moins dans les, franchement, je crois 20 000, 30 000 dollars journaliers en chiffre d'affaires. Donc franchement, c'est énorme. Hein.
C'est énorme. Hein. Et encore, hein, je crois que j'ai même pas encore utilisé les consoles, hein, parce que je les avais mis en fin d'épisode, je crois, il me semble, de l'épisode 4. Donc imaginez-vous. Ah oui, j'avais dit qu'on les mettait là, du coup. Allez, on va commencer à mettre ça là. Hop, non, ça, je vais le mettre là. En plus, c'est bien parce qu'il y a déjà le processeur, il y a déjà tout dans le rig. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est installer des cartes graphiques. Un peu comme dans la vraie vie. Allez, hop. Bon, par contre, le système de à chaque fois aller dans le menu, ça, honnêtement, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'embête un petit peu. Bon, après, on s'y fait, c'est pas très gênant non plus, mais c'est juste que c'est pas très ergonomique, quoi. Parce que c'est long, en fait, c'est surtout long. Donc, on peut mettre 5 cartes. Allez, je pense qu'on peut mettre 6 cartes graphiques par rig. Donc, maintenant, on va aller poser aussi ça. Voilà, attendez, hop. Moi, je vais les mettre ici, je vais les séparer un petit peu. Voilà. Hop. On va les séparer, je vais les mettre côte à côte. Voilà. Donc du coup, F pour accéder à l'interface du minage. Ok, F. Ok, là maintenant il faut entrer un code, hein, parce que ouais, ça marche pas. D'accord, allez, ok. Donc je sais qu'on avait téléchargé un petit logiciel pour ça, hein, pour miner justement le Bitcoin. On va aller voir ça. Alors attendez, du coup, il faut que j'allume. Faut que je mette l'électricité. Hop. Nous allons voir ça. Voir comment ça fonctionne. Alors, bon, miner, c'est là. Donc moi, j'ai déjà fait un petit peu de minage d'Ethereum, réellement dans la vie, avec mon ordi. Et bon, je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc là, ici, nous avons le, ok, nous avons le code qui peut être utilisé pour le minage, c'est B90NM5. 0 ou O, on va tester ça de suite. Alors, j'ai dit B90NM5. Allez, on va dire B90. NM5, allez, on va aller voir. Tac, tac, tac. On va voir si on peut. Non, mince. Voilà, c'était F. Alors, on a dit B. Non, on va le mettre en majuscule. On a dit B9, je vais essayer 0. NM, je crois que le code est aléatoire, donc vraiment je suis pas sûr que ça sera pour tout le monde. Hein. Donc à voir s'il est vraiment aléatoire, spécifique, voilà, s'il est spécifique à chacun des joueurs ou si c'est vraiment le même code pour tout le monde. Donc à voir. Hein, si vous avez déjà le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, pour savoir justement si c'est le cas ou non. Donc voilà. Allez, on va activer. Ok, donc déjà. Je suis à 251,3 MHz/s. Donc c'est pas grave. Ça consomme 17,7 kWh/s. Du coup, la facture d'électricité va être bien boostée. Donc je vais payer une sacrée facture, je pense. 5 cartes graphiques, c'est le nombre. Ça, c'est mon code de plateforme, etc. Ok. Donc on va laisser tourner. On va faire la même chose justement pour mince. Pour eux. Parfait. Du coup, ça le rentre une fois. Bah nickel. Ok. Bah c'est parfait, du coup je le rentre une fois et ça le rentre pour tout le monde. Par contre, c'est les Bitcoin miners, ils sont pas top, hein, je trouve. Hein. Parce que par machine 75. Alors 75 par machine, là on avait dit il y en avait combien? 250. Ah si, quoique. Si, 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 ils sont meilleurs ceux-là. Hein. Ils sont meilleurs en fait. Donc. Ils sont meilleurs. Je pensais que c'était l'inverse maintenant. Ok, bon. Et bah allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu où ça en est. Si ça mine ou pas un petit peu. Tac, tac, tac. La quantité d'électricité consommée. Ok, déjà, on la limite en temps, j'ai envie de dire réel. La quantité inclue dans le réseau pour l'exploitation minière mining. Hein, vérifier. Puissance de minage. Je suis à 477. Ok. Nanana. Donc ça, ok.
Donc ça, on peut fermer. Maintenant, on va aller checker là-dedans. Là, dans le compte crypto, je crois que c'est. Est-ce que j'ai dans mon portefeuille? Est-ce que j'ai quelque chose? Non, pas encore. Peut-être qu'il faut encore patienter un peu. Donc, en attendant, je vais aller. Ce qu'on va faire, carrément, on va ouvrir en fait. On va faire un peu d'argent pour justement aller racheter. Aller se racheter tout ce qu'il faut. Donc, allez, go, on va ouvrir. Eh ben allez, c'est parti, hein. On est bon, on est opérationnel. Hop. Voilà. Bon, par contre, ça me saoule un peu. Il le met pas au max comme j'avais mis précédemment. Donc, c'est dommage qu'ils enregistrent pas. À chaque ouverture. Ah, j'ai des PC qui fonctionnent pas. C'est quoi ces conneries là? Ah, c'est chiant. Bon, je mets tout au fond, hein. Je mets extraordinairement cher. Parce que je suis le seul du coin, déjà d'une. Et de deux, c'est des PC 5 étoiles. Donc, si tu veux de la qualité. Pour geeker, il faut en payer le prix. Par contre, j'ai quand même quelques PC là qui ne fonctionnent pas. J'ai là, donc je ne sais pas c'est quoi, c'est la chaise, je suppose. Même pas. Je ne comprends pas. Ok. Alors là, j'ai aucune idée de pourquoi ça ne marche pas. C'est ça? Non, c'est pas ça quand même. Si. Bon, j'ai des ordis qui ne marchent pas. Là, c'est quoi? C'est la chaise, ouais. C'est toujours les chaises, hein. Je les ai trop. Ok, allez, j'ai un ordi. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, je suppose que c'est aussi la chaise pour là. Voilà. Allez, on va vite augmenter les prix de ça. Avant que quelqu'un les utilise. Allez, ok, c'est parti. On fait un peu d'oseille. Et voilà, allez, je suis déjà à 6000 alors que j'étais à 5000 et des bananes. Waouh, ça s'enchaîne. Ah, j'ai pas mis l'électricité, les gars. Mais j'ai pas mis. Vous allez pas jouer dans le noir, les gars, quand même. Ah, tu veux courir? Allez, Mamadou. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. Ah, Vin Diesel qui vient dans mon. Dans mon entreprise, dans mon enseigne. Parfait, nous avons la visite de Vin Diesel. Oh. Allez, c'est parfait. Il est quelle heure? Ah, mais il est que minuit. Ok, bah ouais, j'ai ouvert trop tard. J'ai ouvert un peu tard. Bon, c'est pas grave. Bon, en même temps, on va checker un peu le. Ah, si, ça y est, regardez, j'ai du bitcoin là. J'ai 0,7 bitcoin, 0,17. D'une valeur de 2000. Non, 25 000 dollars. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est le Bitcoin qui est 25 000 dollars. Ok. Je vais attendre au moins d'avoir un Bitcoin parce que là, franchement, ça débite hein, quand même. Ça débite bien. Est-ce que j'ai du monde? J'espère que mon robot fait le taf. Aucun nouveau client n'arrive après 1 heure. Bon, c'est bizarre parce que j'en ai eu quand même. Là, il est déjà 2 heures du mat. Et j'en ai, donc c'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tac, tac, tac. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Que ça reste propre. Oh, tu veux payer, mademoiselle? Ben voilà, c'est gentil, merci. 300 balles. Oh, 300 balles, les gars. 300 balles. Le cuisinier cuisine. Un petit café. Non, je vais pas le prendre, je vais me verser un café. Alors, attends. Ah, ça part. Ils partent sans payer quand même, les gens. Hein. C'est fou, hein. C'est le troisième d'affilée. Hein. Ah, cela vaut vraiment son prix. Table de très bonne qualité. Bah, heureusement, c'est du 5 étoiles, jeune homme. C'est du 5 étoiles. Oh, 1000 balles, elle a lâché, elle, hein. Putain. Eh ben dans un cybercafé, le jour où je fais ça moi. Bon. Allez, tu ralasses. Avec du ralice. Allez, c'est bon. Bon, c'est le dernier épisode, donc on se lâche un peu. Ah, un 18. Hâte d'aller. D'avoir un Bitcoin. Ah oui, après aussi, je sais qu'on peut acheter des exchanges. Là, vous pouvez acheter, par exemple, si je mets un Bitcoin, là, je perds. Là, déjà, il perd 7% de sa valeur.
Ah Mais merde. par exemple, voilà, si je veux en acheter un, il faudra que je débourse 25 315 dollars. Donc je peux l'acheter. Bon, là, j'ai pas les fonds, mais je peux l'acheter. Par exemple, pareil, si je veux un peu d'Ethereum ou du Dogecoin, Litecoin, etc., XRP, Cardano. Bref, il y a un peu les crypto-monnaies de base, hein, les 10, on va dire les 10 plus gros. Voilà. Donc on peut facilement acheter. Par exemple, là, si j'en prends 100, voilà, je peux aller, on va dire, allez, je vais rajouter des zéros. On va claquer 2000 balles. Voilà. Maintenant, dans mon portefeuille, eh ben, j'ai du Dogecoin. Donc j'en ai 10 000. Oh, 900 balles, je comprends qu'il a voulu prendre la fuite. Mais voilà, là j'ai 10 000 Dogecoin. Donc maintenant je peux attendre justement, moi je les ai achetés, voilà, 0,3. Je peux attendre que ça monte à par exemple 0,5 ou 0,4. Et après je revends pour me faire une plus-value. Et ça va être la même chose pour toutes les autres crypto-monnaies en fait. Hein. Donc vous pouvez acheter par exemple là le Bitcoin, c'est vrai que ce sera intéressant de l'acheter. Ça serait vraiment intéressant de l'acheter là, parce qu'il perd moins 7% déjà. Il a 25 000. Je sais qu'en début de jeu, il était à 30 000, 35 000. Hein, donc du coup, il a vraiment perdu depuis que je joue au jeu. Donc voilà. Il a son petit cours de la bourse, je crois, dans le jeu. Je sais pas comment ils ont fait, les développeurs. Je sais pas jusqu'à où peut chuter la crypto-monnaie et peut monter. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. De l'Ethereum, 1500 dollars. Putain, déjà, à une époque, c'était vrai, ça. C'était vraiment l'Ethereum dans la vie réelle, valait 1500 dollars. Bon, maintenant, il en vaut le double. Mais enfin, quoique au jour d'aujourd'hui, actuellement, il en vaut 2000. 2000 et des bananes, hein, mais 2300, je crois, 2400 dollars. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, je peux même en prendre 5. Si j'en prends 12, ça me fait combien? 18 000. Non, je vais tout claquer, mon azaï. Je vais en prendre 5. Alors, allez, on va en prendre 2. Ça ira très bien. Ça fait 3000. Hop. Allez, on achète un peu d'éther. XLM, c'est pas mal. Alors, allez. Il est 9 h du matin. Allez, la clientèle arrive. Allez, on approuve. Donc, on reste un peu, on renfloue un peu les caisses. Je vais juste voir où j'en suis niveau. J'en suis à bientôt 0,2. Voilà. Ok. Non, bah c'est cool. Est-ce que j'ai du monde? Non, c'est bon, j'ai personne. Je voulais dire, ah, des l'oseille coule à flot. Hein. Ça y est, hein. Ça y est, c'est fini là. C'est fini, nous sommes riches. Limite, j'ai envie d'en ouvrir un deuxième de cybercafé. Le rentabiliser aussi, me faire concurrence à moi-même. Ça monte. Hein. Ça y est, je suis à 0,2 bitcoin. Regardez, comment ça vaut les 0,2 bitcoin du coup? Ça vaut 5 000 dollars. 5 000 dollars, sachez que j'ai bien rentabilisé mon investissement. J'ai dû claquer, je crois, 2 000 dollars pour avoir ça. Pour avoir les RIGs et tout. Donc c'était 600 euros la carte graphique. Donc allez, j'ai dû peut-être claquer. Ouais, si. Bon, j'ai dû claquer peut-être les 5 000 dollars. Hein. Donc au final, là j'ai remboursé justement mon investissement. Facile. Hein. Je pense que j'ai dû rembourser mon investissement à peu près. Hein. Ou je vais pas tarder à le rembourser. Donc au moins j'aurai récupéré l'oseille. Hein. Maintenant, tout ce que j'aurai à faire, ça sera de le revendre. Mais je vais attendre d'avoir un bitcoin pour le revendre. Et pour ça, une fois qu'on a fini la journée, on va aller dormir. Histoire que la boutique où j'achète les cartes graphiques, etc., refont un stock. Et ensuite, j'augmenterai justement au maximum que je pourrais tout ça pour voir combien je peux miner de bitcoin. Du Bitcoin en une seule journée. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cet épisode. Et ensuite, après, bah, tout revendre et partir à la retraite. Voilà ce qu'on va faire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir quelle crypto-monnaie on peut miner. Parce que j'aurais bien miné autre chose que du Bitcoin. Même si c'est le plus rentable, c'est le plus. Mince, non. Alors, on va mettre un peu de parfum parce que ça pue un peu. Allez hop. Voilà. Allez, ça part sans payer aujourd'hui, hein. Ah, c'est une journée flex alors pour tout le monde, hein.
Tac, tac, tac. Bah, je mine pas énormément, mais ça va. Pour une journée, je suis plutôt bien. Parce que si je minerais vraiment ça dans la vraie vie, je pense que je serais au top du top. Je serais riche actuellement. Mais bon, c'est pas le cas. Nous vivons dans une époque très difficile. Allez, on finit cette journée, il est 13h. On finit la journée, ensuite on ira aller se coucher. Parce que j'aime pas faire mes boutiques comme ça en plein après-midi. C'est de l'oseille qui part, hein. Je suis déjà à 21 000 dollars, hein, quand même. Hein. Oh, ça lâche des 700, 900 dollars. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable ce qui se passe dans ma société. Je fais plus rien, je m'en fous complètement. Ah, il y avait aussi un bar à strip là. Je voulais pas montrer. Donc je pense une fois qu'on aura rajouté le deuxième Riggs et tout, on ira fêter ça justement, fêter toute cette oseille là qui coule à flot là-bas. Parce qu'il y a un petit casino aussi pareil. Hein. Je suis allé voir un petit peu en off avant de vous le faire montrer. Donc voilà, c'est pas si vulgaire que ça. Donc, je vais vous le faire montrer. On va pouvoir s'ambiancer un petit peu. Finir justement cet épisode en beauté. Parce que je voulais le garder pour la fin. Donc ça va être un épisode très très court, hein, je pense. Hein. Il va durer peut-être une quarantaine de minutes grand maximum, hein, en fonction de ma journée. Et puis voilà, bon, bah écoutez, 26 000 dollars déjà. Je crois que c'est largement suffisant pour s'acheter tout ce qui nous manque. Hein, donc là, là on va rusher, hein, c'est-à-dire que je vais aller acheter de la crypto, des rigs. Bitcoin miner, et après ensuite on va aller se coucher, retourner acheter, aller se coucher, retourner acheter. Je vais plus rouvrir la boutique, c'est pour ça que là je l'ouvre une dernière fois. Là je l'ouvre une dernière fois exactement pour se faire un max d'oseille. Regardez, j'ai même pas le temps que ça s'enchaîne déjà quoi, c'est fou. Je vous l'ai dit, hein, une fois que c'est rentable les gars, c'est un bon investissement, c'est du temps. Concrètement, en termes de temps, j'ai mis quand même. Ah putain! Attends, attends. Il m'a mis mon déo là-dedans, mince. En termes de temps de jeu, hein, clairement, pour arriver à ce niveau-là, honnêtement, passer vraiment un bon 5-6 heures de jeu facile, hein, moi je pense. Hein. Après, cela dépend de l'investissement que vous avez mis, c'est-à-dire. Si vous avez commencé avec un seul PC ou si vous avez commencé comme moi avec des produits d'occasion pour rentabiliser un maximum de choses. Mais voilà, moi je sais que pendant 5 heures je suis arrivé à ce niveau-là en 5 heures de jeu. Parce que mine de rien, en fait, les journées sont longues. Hein. Regardez là, ça fait déjà 15-20 minutes 15 minutes que j'ai ouvert déjà le cybercafé et j'ai pas encore fini la journée, il est que 17h. Donc voilà, ça c'est si nous faisons une journée complète, bien sûr. Hein. Alors ça, ouais, ça c'est bon du coup. Ça c'est bon. Je pense que j'ai des factures à payer. On va aller voir les factures. Ah, mademoiselle. Tu passes à la caisse, monsieur. Pas payer par carte, les gars, là. Est-ce que j'ai des factures à payer? Non, pas aujourd'hui. Bah, c'est parfait. Ok. Merci, mademoiselle. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Alors, merci mademoiselle, passez une bonne journée, bientôt. Par contre, t'es en slip. Jamais tu te mets en calebar comme ça, là. Par contre, il consomme, hein, mes clients. Hein. Je vois, là, ça donne des. Attends, on va voir ce qu'il consomme. Menu, ok. Un toast, ok. Ça fait des petits goûters, pépère. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Ça fait des petits goûters au calamar. Hein. Allez, ça c'est. Allez, 18h. 35 000 dollars en poche, sacré bénéfice. Je vous l'ai dit, hein, là aujourd'hui, zéro, mort de rien. Le mec, il m'a abusé. 1 000 dollars, il a claqué lui. Oh là là. Alors attendez, on va voir ce qui joue le plus à la VR là. Ah ouais, quand même.
Oh, lui, il va claquer plus de 1000 balles, c'est sûr. Hein. Alors, la VR, là, j'en ai mis qu'un. D'ailleurs, j'en ai pas mis plusieurs. J'aurais pu, hein, honnêtement, mais j'en ai pas spécialement besoin. Hein. Franchement, vous avez bien vu, hein, honnêtement. Ok, je remonte dans le classement, c'est cool. On en est où? Ah, on en est où du coup? Mon portefeuille, ça va, 0,25, c'est pas mal. Voilà, je suis à combien? Allez, 6 000 $ déjà de gains en crypto. Non. 6 000 $ de gains. Là, je peux dire effectivement que j'ai bien rentabilisé mon investissement en crypto. Donc là, j'ai potentiellement remboursé mes achats. Donc ce qui va me permettre justement de réinvestir dans la crypto quoi, dans les cartes graphiques et le Bitcoin mining. Ça mange des chips, ça boit des coups et tout. Ah, normal luxe frère. 750 la VR quand même. Je vous l'ai dit, il va claquer 1000 balles le mec. Hein. En moyenne là mes clients, en moyenne, ils sont entre 400 et 1100 $. C'est une grosse fourchette que je vous donne, mais voilà. Allez, on va dire 700 balles de moyenne. 700 balles de moyenne par client qui me rapporte là. Voire 750 peut-être. Donc voilà. Je suis déjà à 42 000. Qu'est-ce que je vais foutre de tout cet oseille quoi? Je peux partir à la retraite, les gars, hein, je vous le dis clairement. Non mince. Oh. Allez, on refresh quand même, hein. C'est pas parce qu'on fait de l'oseille qu'on doit tout lâcher. Ouah, il y a du monde ce soir, il y a du monde ce soir. Oh les gars, vous avez rien à faire le samedi soir là? C'est quoi ces conneries là? Il est 23 h, il est minuit là! Ouais! Allez, est-ce que je vais atteindre les 75 000 $? Si je peux atteindre 75 000 là avant de clôturer, ce serait nickel, mais bon, ça me paraît un peu trop là. Bon, mon robot faut qu'il fasse le ménage hein, quand même hein, parce que je vais pas le faire. Ah par contre j'ai un PC il est pas pris. Il est pas pris lui le PC 8. Oh la console 1000 balles. 1000 balles il va atteindre de console. C'est ouf. La VR 400. Mes PC. Ouais ça va il reste une moyenne à 500. Allez, 600. Bah ouais, le mec il est parti normal en marchant comme si de rien n'était. Il a cru qu'on n'allait pas passer. Moi je le vois partir, mais bon, j'ai un garde du corps, faut qu'il fasse son taf quoi, les gars. Parce que moi je le paye. Hein. Maintenant je fais le mini, je le paye. Ah, 49 000. On va atteindre des sommets. Sommet, je ferme pas tant que j'ai pas 75 000 E, minimum. Paye, paye, paye toi. T'as joué à la VR. Voilà. Allez, 50 000. Et une petite journée prolifique à 50 000. Putain, du jamais vu. Même McDonald's ne fait même pas ce chiffre d'affaires. C'est fou. C'est fou. On va l'appeler McDonald's Simulator. On nous dit McDo. Ah ouais, non, toi, t'as payé, toi, déjà. Vous avez pas payé, les gars. Voilà. Par contre, 158 $... J'ai aucun montant de ce prix-là dans mes trucs. Hein. Ah, j'ai rien du tout. Hein. Ah, si, lui, il est là. Ok, ils sont là. Ah, c'est des radins quand même. Hein. Bon, bah, il est 5 h du matin. On se refait une petite journée. Allez, on reste encore ouvert. On fait du non-stop H24 pendant 3 jours. Voilà. Allez, bon. Est-ce qu'il a nettoyé? Oh, ça va. C'est propre hein, quand même. Hein. Bon, là, c'est normal. C'est les derniers clients. Les derniers clients, ils se cassent. Ok. Ah, il y en a quelques-uns qui sont venus piquer des trucs. Ok. Ah, il y en a, il a payé la portative, 1000 balles. Il a donné un SMIC. Il a posé un SMIC. Oh. Hello.
Cassez-vous. Mais cassez-vous. L'oseille coule à flot. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille, les gars? 57 000. Je vous ai dit, je ferme pas tant que j'ai pas 75 000 au minimum. Et on est parti. Bon, on en est où sur le minage? Le minage. Alors, attendez. On va. Je sais pas si ça s'actualise ou pas. C'est bon. Ah, 0,27. Oh, merci, monsieur. Mon porte-nafeuille. Moi, je vois 1. Voilà. Mais je pense qu'on peut miner autre chose, hein. Parce que s'ils mettent ça, c'est que soit on peut miner, mais bon, ça me paraît bizarre qu'on peut faire que du trading, quoi. La crypto. Par exemple, de l'Ethereum, tu vois, je serais. J'en avais encore acheté deux de plus, tu vois. Mais non, je peux pas, faut que je garde mon oseille. J'avais dit qu'on gardait jusqu'à 75 000 euros. Voilà, on rouvre encore la journée, là. De toute façon, il est 8h45 du matin. Nous allons attendre un petit peu. Ah, ah, il vient bosser, lui. Ah, j'avais pas vu qu'il venait le matin, en fait. Je pensais qu'il restait tout le temps là. Bon, on va quand même inspecter les lieux. On va... Mince. Allez, on va inspecter un peu les lieux avant de voir qu'il nous manque rien, on nous a rien piqué. Ok. Surtout les ordinateurs, hein, c'est ce qui me rapporte le plus. Donc bien inspecter tout ça quand même. Allez, c'est parti. Les 75 000 E en 72 heures, c'est faisable. Ça m'a aidé de nuit. Ok, les 10 dollars, c'est les... c'est les produits qu'ils consomment, en fait. D'accord. Ok. D'ailleurs, ça s'est pas réfléchi, je pense, trop cher. Non, mince, j'ai refusé. Non, merde, ça fait deux fois que je refuse. Il doit pas être content, le gars. Hein. Allez, on fait couler ça à flou, les gars. On fait couler ça à flou. On sera au casino. Alors, pourquoi 75 000 E minimum? C'est parce que, en fait, je vais... après avoir acheté, justement, tout ce qu'on pourra acheter sur le mining, du Bitcoin, etc., les cartes graphiques, les rigs, etc., on va aller flamber au casino pour fêter la fin de cette série. On est à 59 000, les gars. 59 000. Bien sûr, si on fait un peu de rab, on finit la journée. Hein. Si on fait du rab, on ira tout flambe au casino. Et puis voilà, quoi. Comme ça, au moins, on sera tranquille. On n'aura plus besoin d'ouvrir. D'ouvrir, hein, parce que forcément, le bitcoin nous rapportera tellement d'oseille qu'on n'aura même plus besoin de. Au limite, on pourra sous-louer. Sous-louer ce local. On mettra un employé qui gérera justement le local, quoi. Pour nous. Alors si je fais 0,3, ouais, 7005 quand même, hein, 7005, c'est pas mal, c'est pas mal. Nous sommes à 62 000. Nous sommes à 62 000. Et on a miné 0,3 bitcoin. Avec si peu quand même. Hein. Franchement, je suis un peu étonné qu'on mine aussi rapidement autant de bitcoin.
Maintenant, on va voir dans les exchanges, ouais, voilà, tu vois, il part toujours 7% du coup. Ouais, là, c'est l'heure de pointe, hein, 13h30. Ça y est. Tu payes un CB. Ouais, y a beaucoup de gens qui veulent pas payer, hein, par contre. Hein. Autant au début, je m'en souviens des premiers épisodes où je me faisais. On se bagarrait pour l'oseille, autant maintenant. Je n'ai même plus besoin de faire ça, tellement. Tellement l'oseille coule à flot, les gars. Putain, seulement ça pouvait arriver dans la vraie vie, ça. Mon portefeuille, allez. On va bientôt atteindre les objectifs. C'est vrai que c'est un peu calme aujourd'hui par contre là. Autant tout à l'heure on a fait les 50 000 très rapidement, autant là atteindre les 75 000 c'est... Ah elle est bloquée la serveuse. Ah mais c'est elle qui me bloque mon PC à chaque fois en fait. Mais je sais pas pourquoi elle va jusqu'au fond. Là-bas, là. Je comprends pas. Putain je vais aller voir. Allez, file. Allez, file. Allez, file. T'as pas dégagé? Non? Bon, bah tant pis. Bon, bah j'ai un PC en moins. Ok. Allez. Oh, les toilettes, ça doit être une horreur, fais voir. Ah ouais, s'il y a du caca là, c'est que là c'est bouché. Oh là là, il y en a un, il a eu la chasse là. Ouais, parce que le petit Dyson là, il ne fait pas ça quoi. Par contre, pour le lavabo. Ah, il est parti sans payer. Désolé, tu vas te manger une frappe. Ouais. C'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Courage quand tu te fasses frapper. Allez, on va les nettoyer un peu. Hop. On va l'aider hein, parce que le petit robot ne suit pas la cadence. Surtout ça là, parce que ça c'est inadmissible dans mon établissement de voir ça. Inadmissible. Ouais. Voilà, toujours avoir des toilettes propres, hein, c'est la base. Hein. Hop, hop, hop. Fais voir moi ça. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi, je crois que t'étais parti. Voilà, hop. Je pense que là, on a dû atteindre l'objectif, là. 76 000, c'est bon, on a atteint les objectifs, les amis. On va pouvoir fermer la boutique. Alors, on finit la journée. Ouais, il y a la deuxième rush là qui arrive là. Normalement c'est la fin d'école, fin du travail. Les gens vont venir. Le zé va couler à flot. Ah, la demoiselle elle a pas payé. Hein. La demoiselle elle a pas payé, je tiens à le dire. Tac tac tac. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? J'atteins mon objectif, hein. Du coup, 75 000, on les a. On a 76 000. Bon, on a 78 là. Vas-y, on va accepter les dernières demandes et après ensuite on va les fermer dans quelques minutes. On va accepter. Est-ce qu'il y en a un qui se lape la VR? Non, il n'y en a pas. Putain, 750 balles hein, pour le dernier jeu en VR. Hop, 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 hop. Non, non, non.
Tout est très cher chez moi, tout, tout, tout. Mais service qualité premium, les amis. Service qualité premium. Regardez-moi ça, je me tape des 3 étoiles. Ne gaspillez pas votre argent ici. Qui a dit ça? Qui? Tiens, je te like. Je te like, je vous arnaque, les gars. Ok. Ok. Ah. On va aller voir la tirelire là. Ah mince, j'ai pas vu, excusez-moi madame. Hop, je vous encaisse, merci, passez une bonne journée, au revoir. Alors, oh, j'ai 200 dollars dans la tirelire quand même. Franchement, les pourboires. Ça va là. Hop. Oh, celui-ci. Hop. Oh. Ah, il n'y en a pas non plus. Voilà, attendez. Hop, tiens, dégage-moi ça. 20 diesel est passé dans ma boutique, les amis. Ah, il revient. Ok. 20 diesel revient. Voilà. Ah, j'ai plus de. Ah, les gars, bah ça va puer. Hein. Je suis désolé, mais. Voilà. Allez, un PC de dispo. Cassez-vous. Vous avez mangé des patates, sinon. Toi? Non, t'as pris une borne d'arcade. Ok. Mince. 83 000. C'est vrai qu'à 22 h, il y a beaucoup de monde quand même qui arrive là. C'est fou. Ouh là là, il a dû se manger une mandade lui. Le fou. Ah, 0,34. Est-ce que peut-être d'ici la fin de l'épisode on aura atteint le 1 bitcoin symbolique, bien sûr. Le 1 bitcoin symbolique. Oh, genre, personne ne va payer là. Il y en a qui vont se manger des mandats, hein, moi je vous le dis. Allez, bim. Allez. Allez, bim. Oh, je peux peut-être finir la journée avec 90. 90 000, qui dit mieux? 88 883. À 5 dollars près, j'étais full. Voilà, ouais. On va finir à 90, les amis. Hein, on va finir. Peut-être atteindre les 100. Peut-être journée à 100 000. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe là à la Genzo TV by Net. Bien sûr. J'attends presque le 90. Voilà, 90 000, c'est bon. C'est bon les amis, on les a atteints. Une petite retraite fort sympathique là qui s'annonce. Eh ouais, on sent la fin là, ça y est, on sent la fin vraiment. On garde les derniers clients. Allez, je compte jusqu'à 12 et après on ferme tout ça. Toi, tu payes pas? Pour 10 balles? Ah, ça c'est du mytho, pour 10 euros, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon allez, on va fermer les amis. Ça y est, c'était le dernier rush. Dernier jour d'ouverture. Ah, 650 dollars, oui, forcément. Tu n'allais pas partir en paix, hein, moi je l'ai mis. Hein. À 700, ouais, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue à la console? C'est la fin, les amis, c'est la fin. Ouais, il joue à la console, par contre c'est Bagdad ici. Ah, tu joues à quoi, toi? The Witcher? Tu joues à The Witcher? Ou à Skyrim? Non, ça va, ça va. Toi, tu joues à FIFA 2024. Ah là là, les amis, voilà. C'était mon dernier jour dans ce cybercafé. Ce fut un moment extraordinaire. Voilà. On n'a pas encaissé. Allez, chope-le. Ouais, Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. C'est un bon Mamadou. 93 000. Bon, allez, vas-y, on ferme tout ça. Allez, on va accueillir les derniers clients là qui s'en aillent un petit peu là parce que ça y est. Allez, les gars, on est fermé. Venez, venez. Allez. Fokhalas, toi là-bas, là, jeune homme. T'es foutu, jeune homme.
Et bim! Ah ouais! Elon Musk, tu fais un plaisir. Les consoleux là. Toi, t'aimes pas payer, hein? Ah, t'as pas envie, hein? Ah si, c'est bon. Allez, combien de pourboires cette fois-ci pour ce jour-là? 20$, hein? J'ai pas eu beaucoup de pourboires. Hein. Ah, j'avais carrément oublié la machine à hot dog, là. Le petit snacking, 120$. Ouais, bon, bof, bof, bof. Allez, eh ben écoutez, nous allons voir s'il n'y a pas des retardataires. Et puis ensuite, après, nous allons aller nous coucher. On a fait une grosse journée de travail. Hein. Franchement, enchaîner 48 heures ou 72 heures non-stop d'affilée, ça nous a rapporté très très gros. Très très gros. Hop là, tac, c'est parti. Allez, on ferme boutique. Non, alors attendez. Ah bah non, je peux pas fermer du coup, parce que sinon je vais arrêter de miner. Si j'éteins la. Si j'éteins tout ça, quoi. Je vais quand même voir si ça repop ou pas, ça l'a rechargé ou pas. Ils sont chiants. Non, ok. Ah, on n'en a pas, du coup je dois aller coucher, me coucher pour que ça charge. Je pense que je suis l'homme à battre dans cette ville. L'homme le plus puissant de la ville. Je suis l'homme le plus puissant de la ville, quoi. Je fais la pluie, le beau temps dans ma ville. Que les gens me demandent de l'oseille, et j'en donne avec plaisir. Allez, petit chicha. Au calamar. On peut s'asseoir ou pas? Non, dommage, j'ai bien pris une petite chiche. Allez, une deuxième bouffée. Ah, la richesse. Allez, il n'y a plus de charbon. Ciao, je vais me coucher. Et après une bonne sieste, on se retrouve. Re tout le monde, comme si j'avais coupé. On a trop de choses à aller faire, les gars. On a trop de choses. Hein. Aller chercher des cartes graphiques. On va voir si ça a miné entre temps. On va absolument voir. Parce que si ça mine en plus pendant qu'on dort, c'est génial. C'est génial. Avant, nous allons. Non, c'était pas là. Déjà, nous allons faire le plein tout de suite. Comme ça sera fait. Ça coûte combien? Ouais, 500 balles, hein. 1000 balles par contre, là. Ok. Bon, ça c'est un peu long, c'est chiant. Est-ce qu'on peut lui acheter ceux-là qui sont derrière là? Non, on peut pas. Dommage, mademoiselle. Parce que je vois qu'elle aussi elle est en train de miner. Petit rayon de soleil qui font plaisir. Ah ouais, les gars, moi je vous paye, c'est pour ça. Hein. Normalement mon PC n'était pas éteint. Alors, ah, ça a miné, je crois. Hein, ça a miné, 39. Il me semble que ça mine. Hein. Quand on laisse comme ça allumé, ça mine. Donc c'est parfait, c'est parfait. Objectif, c'est vraiment d'avoir un bitcoin symbolique pour aller fêter ça. Hop, 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 hop. J'en suis pas très loin. Normalement, si je rajoute ça, du coup, ça devrait le faire. Allez, hop, hop, non, c'est F. Voilà, ok, du coup on peut mettre 6 cartes graphiques. Donc c'est des rigs de 6 cartes. C'est dommage qu'elle ne vend pas les 6. C'est par 5, ça c'est bel et bien dommage. Parce que franchement, ça aurait été vachement cool.
de tous les avoir d'une traite quoi. Allez hop. Tac. Loin. Alors tac tac bim bam boum. Par contre, il faudra sûrement que je les active. Parce que je pense pas que ouais, je crois qu'ils sont indépendants. Ouais, c'est ce qui me semblait. Voilà. Ok, ils sont indépendants. Ok. Voilà. Du coup, lui, je sais pas si mince. Je vois si c'est bon. Ok, là, il m'a comptabilisé les 6. Là, les 4. Donc là, normalement, j'ai dit 4 graphiques et 2, 4, 6. Ça fait 16. 16 CPU. Enfin, GPU. Je vais voir si dans le truc miner, là, il me les compte, les 16. On sait jamais, peut-être que j'en ai oublié d'en activer un. Alors, est-ce que non, c'est pas ici? Ah, j'ai des factures à payer. Ah, j'ai 90 000 encore. Hein. Ah, j'ai rien claqué en vrai hein, de tout ça. Hein. J'ai absolument rien claqué. Hein. Alors, du coup, inclus machin, nanana, 470 à 493. Ok, ça a augmenté. Ah non, 954. Ok. Ça va, ça va, ça va. Ok, du coup, ça a bien fait la mise à jour. Ok, ça fait pratiquement 1000. Ok, c'est parfait. Non, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, ok, ça déjà, ça m'a bien pris en compte les cartes graphiques. Bon, allez, on va payer les factures. C'est combien? Ça, c'est les employés. D'accord, ok. C'était juste les employés à payer. Crypto, portefeuille. Dans les exchanges. À un moment donné, on avait vu le nombre de CPU qu'on avait. C'est bizarre que là, je l'ai plus là. Bon, bof. Et bah, écoutez, on a vu à peu près ce que ça donnait. Hein. Je vais pas les vendre. Je vais laisser miner pendant un petit bout de temps quand même, histoire de, parce que j'aimerais bien avoir les un Bitcoin, parce que là, normalement, ça devrait aller vite. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher et on va Alors attendez, du coup si on va se coucher tout de suite, on va voir combien. Allez, je suis à 42. 42,7, je vais arrondir. Et on va voir si ça a miné 42,7 du coup, je suis à 0,42,7. Allez, on va aller se coucher, on va voir si ça a pris en compte la nuit ou pas. On était à 42,7 du coup. On va juste faire ça, racheter aussi un autre rigs. Et comme ça, moi, après, ensuite, on ira faire la fête en boîte de nuit. On ira faire la fête pour clôturer tout ça. En tout cas, ce fut un plaisir, hein, clairement, de partager ce petit let's play de Internet Café Simulator 2. J'ai pas fait le 1, donc je savais même pas qu'il existait le 1. Peut-être que je vous le ferai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le premier du nom. Parce que je crois qu'il est légèrement un petit peu différent de celui-ci. Donc je crois que ça se passe dans une autre ville, etc. Donc rien à voir. Et même graphiquement, je crois que c'est pas du tout pareil. Donc Ah, je peux pas. Heure à laquelle vous devez attendre pour dormir 2 heures. Oh, bon, bah écoutez, on va aller en soirée. Hein, écoutez, hein. Moi, je voulais juste aller dormir pour. Pour justement aller plus vite. Mais bon, on doit attendre. On a une certaine horaire du coup à respecter. Attends, alors. Il ne dit pas. Non, il ne dit pas. Il ne dit pas quelle heure est-il. Donc, je suis obligé d'aller à mon PC. Bon, allez, bah écoutez, nous on va aller en boîte. On va kiffer ça. Si je me souviens bien, c'est par ici. Je vais vous faire un peu découvrir ça. Allez, il faut payer. Donc, à l'intérieur. T'es sérieux? Comment tu m'as refoulé? Ah, voilà. Ok.
Allez, go, on va aller fêter ça. Clôture, on va visiter un peu les toilettes. Ah, lui, il est HS. Ah, ils ont des. Ah, franchement, leurs shots, ils sont propres. Hein. C'est mieux fait que chez moi. Ouais. Eh, qu'est-ce que c'est ça? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis riche, mon regarde. Tac, tac, tac. Moi aussi, je danse. Ah, je danse. Tac, tac. Allez, vous avez un petit casino aussi? Ici, là, on va aller jouer un petit peu d'argent. Allez, on retente. On y est presque, les amis, on y est presque. On va gagner le jackpot. Allez, on fait les deux. Bon, on gagne que dalle. Ah si, j'ai gagné 20 $. Ah, je crois. Alors, attendez. Non. Je crois qu'on peut payer pour avoir une danse privée. Est-ce que c'est elle? Ouais, regardez, on peut payer 300 $ pour avoir une danse privée. Est-ce que je vous fais ce petit kiff? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh! Ah, on doit d'abord acheter. Ah, c'est des préservatifs. Ok. Je me disais ce que c'était. Mais bah, avant de se faire. Non, 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 non. Ok. On peut prendre à boire ou pas? Ouais. Bon, allez. On se fait une dernière machine. Il y a une pièce là-bas, on va la visiter. Ah. Petit casino clandestin. Ah, il y a une petite porte derrière. Allez, on tente, on essaie toutes les machines. Ok, machine à sous. Là, on voit qu'il y a un garde, donc je sais pas si... Ça tape, Vegas! Ah! Est-ce qu'on peut jouer? Ah, on peut jouer au blackjack, allez! Je mets le max. On est plein, je vous ai dit, hein, c'est la retraite. Allez, allez, bim! Allez, on a perdu. Ok, tu gagnes, je recommence. Allez. On joue, je m'en fous. Allez, on recommence. Ouais, j'ai gagné 4000 balles. Allez, salut, c'est bon. Bon, allez, on recommence. Ouais, j'ai encore gagné 4000 balles. Allez, j'ai récupéré toute ma mise. On recommence une dernière fois. Si on gagne, on se casse. Ouais, 4000 balles. Allez, c'est bon, ciao, je me casse. Allez, salut, messieurs. Merci, passez une bonne journée. Hein. Ah, toi, t'es le patron, ça se voit, toi. T'es là, t'as les boules un peu, là. Hein. Je vois. Je me suis fait un peu d'oseille. Là, j'en suis à combien, financièrement parlant? 93 000! Oh là là! Les gars! Allez, on se paye une tasse! Qui allons choisir? Bon, bah, du coup, ça doit faire une danse. Non, toi, t'es pas. On va se prendre celle qui est en jupette là-bas, là. Elle. Non, bah, tu peux pas, ok. Bah, attends, tiens. Toi, t'es une Playboy. Allez, vas-y. On t'achète. Allez, je vous fais un kiff, les gars, pour le dernier épisode. Hein. Franchement, allez, hop. On s'assoit. Ah, appuyez pour terminer le show. Non, bah non, on n'a pas commencé, les gars. Bon, bah écoutez, nous avons tout vu, du coup. Je vous laisse cette petite danse, hein, bien sûr. Et puis, sur ce, nous, on va se quitter là. En tout cas, merci d'avoir regardé ce dernier épisode, ce dernier Let's Play de Cyber Café Simulator 2. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!
Bella, bella.